Bien, Kevin, nous sommes dans le manège à l'intérieur, tandis que tout à l'heure nous étions sur la carrière. Et je vois que tu es en groupe donc de quatre jeunes filles devant et derrière nous, qui commencent à chauffer leurs muscles tout autant que ceux des chevaux. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots donc quel est ce cours particulier que tu fais et quel niveau ont ces jeunes filles? Alors là, on est sur un groupe de quatre filles, donc qui ont un niveau à peu près galop 4-6, donc galop 4, galop 6. Et on va faire un cours de plat, donc qui consiste un petit peu à faire du dressage avec les chevaux, donc qui est complémentaire par rapport au saut d'obstacle, puisqu'elles font aussi du concours de saut d'obstacle. Voilà, donc elles font des sorties en concours sur nos concours à nous, elles font aussi des sorties en concours à l'extérieur, et j'espère bientôt qu'elles vont débuter sur des concours de dressage purs. Et à ce niveau-là, est-ce que tu es content? Est-ce qu'elles ont déjà un niveau qui leur permet, un niveau d'excellence, qui leur permet d'être dans les hauts des tableaux actuellement? Oui, alors on a eu pas mal de classements cette année. Après, voilà, on a repris il y a à peine 2 ans et demi. Donc on a une cavalerie qui est en train de se former, on a des cavaliers qui sont en train de se former. On les a récupérés, elles n'étaient pas à ce niveau-là. Donc ça suit son cours, on va dire. Et toutes ces jeunes filles qui sont avec nous sont luchonnaises ou est-ce que tu les as recrutées ailleurs qu'à Luchon? Non, celles-là, elles sont toutes luchonnaises. Luchonnaises, ouais, exclusives. Donc nous voici à présent sur l'air à l'intérieur du manège. Et nous allons assister à un exercice de dressage par Kevin et ses quatre cavalières. Oh.
qui va justement tenir les épaules dans les hanches, qui va faire que votre cheval ne va pas passer sur le mauvais pied. D'accord. Votre poids du corps. Oui. Donc quand vous allez arriver là, vous allez avoir à droite. Et là, en fait, juste avec votre couloir de rein et votre poids du corps, vous allez solliciter les chevaux à tourner. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez faire venir ici, on va rétablir notre poids du corps neutre. Quand on va arriver ici, on va repartir notre poids du corps vers l'avant. D'accord ? Quelle est la première suite ? Il y a assez de minutes passées. Du coup, on peut pencher vers la droite. Voilà, super. Et là-dessus, travaille-le. Garde un petit peu au galop là, le moron. Très bien, Rafi. Voilà, regarde où tu vas faire tes ailes. Amène les chevaux. Regarde où tu vas. Voilà, super. Voilà. Bien. C'est bien ça, oui. Allez, on sort, on sort, on sort. Et là, tu as trop précis. Trop. On a déjà rééquilibré un petit peu. Alors Kevin, donc nous avons passé une journée agréable avec toi, nous avons vu les différentes montes, les différents groupes en fonction de leurs qualifications, aux élèves, etc. Et là je voudrais parler avec toi pour conclure, de parler d'un concours qui va avoir lieu, que tu organises. Oui. Et est-ce que tu pourrais m'en dire davantage ? Alors en fait on se tient à organiser plusieurs concours sur l'année, dont celui qui va arriver le 8 octobre. Donc voilà, c'est un concours de saut d'obstacles, donc ça reste assez impressionnant à regarder pour les néophytes de l'équitation. C'est un concours où les chevaux doivent passer au-dessus des barres sans les faire tomber. Donc, est-ce que ce sont tes élèves qui vont participer ou tu vas faire venir des cavaliers confirmés ? Alors, on a nos élèves à nous, on a à peu près une trentaine d'élèves qui concourent sur cette épreuve-là, enfin sur cette animation-là. Et après on fait venir également des cavaliers extérieurs. Le but du jeu, en fait, le concours est ouvert à tout le monde. Et voilà, on essaye d'avoir à peu près entre 80 et 150 partants sur la journée. Donc, pour finaliser et préparer cette compétition, donc tu vas me rappeler les dates exactes. Le 8 octobre. Le 8 octobre de cette année. C'est ça. Et donc cette manifestation et ce concours équestre va être donc relayé par la presse locale, j'imagine. Mais sache que de toute façon, Luchong Mang s'en chargera. Mais en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Est-ce que, en dernier ressort, tu veux nous laisser, par exemple, l'email ou autre de ton association ? Alors, si vous voulez nous contacter pour tout ce qui est cours de chevaux, balade, promenade, randonnée, initiation, baby poney, tout ce que l'on propose hein, sur un type d'activité, ben vous pouvez nous contacter sur l'email luchonéquitation@bbox.fr ou alors au 09 82 55 55 34.